Amis du Scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, ça y est, je vous montre, comme je vous avais promis dans la vidéo d'avant, comment je fais mes washi maison. Donc ce sont des... Enfin, on ne va pas appeler ça des washi parce que les washi, c'est une marque, les masking tape. Donc ce sont des masking tape légèrement translucides. Ça permet comme ça de voir éventuellement les défauts du fond. Quand je dis défaut, c'est dans le bon sens du terme, hein. C'est par exemple quand on a un papier teint au café avec des taches ou quoi, et ben ça permet de se voir. Et puis ça permet surtout de faire un petit peu ce qu'on veut à l'infini. Alors il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il faut du scotch, un plioir, des ciseaux, et encore que le plioir, si vous l'avez pas, une carte de crédit fait bien l'affaire. Et à partir de là, on peut faire des merveilles. Je vous en montre vite fait quelques-uns que j'ai fait comme ça. Ça donne ça. Dans un autre style, on a ça. Celui que j'aime par-dessus tout en ce moment, c'est celui-là. On a des choses comme ça aussi. Alors des fois, peut-être que ça passe pas bien à la caméra, mais dans la vraie vie, c'est sublime. Et puis après, il faut le voir une fois collé, parce que ça reprend aussi sa dimension une fois que c'est collé. Je vais vous montrer tout ça. Pour éventuellement faire ces washi, j'ai fait un kit avec plein de petites bandes de toutes sortes de styles. Que ce soit plutôt géométrique, plutôt vintage, avec des cartes postales, avec des fleurs, des étoiles, des papillons, il y a des tournesols, il y a des pellicules, il y a des motifs géométriques, voilà, des maîtres, des tamponnages, sur les artistes, les fleurs, de la dentelle, du cuir, des écossais, des vichy aussi, j'ai fait plein de vichy de toutes les couleurs. Celui-là que j'aime beaucoup aussi, qui est tous les champignons sur un thème botanique. Un autre sur les champignons, mais dans un autre style, plus, un peu plus vintage. Des tampons et des timbres, des fleurs, du corset, des barbelés, le thème de la couture en deux styles différents. Et puis là, j'ai fait un effet, mais là c'est pour faire un essai, ça fait pas partie du kit. Là je vais en faire d'autres. En fait là j'ai réservé de la place pour après insérer dans le kit. En fonction de tout ce qu'on va faire ensemble, les plus belles réussites, je vais les scanner et les mettre ici, comme ça il n'y aura plus qu'à prendre. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous montre comment on fait ça tout de suite maintenant. Alors, on va commencer simple, on va faire avec le kit et après je vous montrerai comment j'élargis cette possibilité à plein d'autres choses, parce que si on n'a pas le kit, il faut aussi pouvoir en faire. Et vous allez voir qu'il y a quand même tout un tas de possibilités, et encore que la liste que j'ai faite, elle n'est pas exhaustive, on peut trouver tout plein d'idées partout autour de nous. Alors, bah, je vais en prendre un. Je prends le premier. Hein. Je vais faire les champignons. Parce qu'elles sont beaux, mes champignons. Alors, j'ai pris du scotch. C'est un scotch un peu blanchâtre. Parce qu'il y a les deux styles. Alors, on va en prendre un blanchâtre. Et un petit peu plus translucide. Comme ça, on va faire des essais pour voir lequel des deux marche le mieux. Moi, perso, j'aime beaucoup celui-là. Un petit peu moins large, et puis bah, j'avais prévu justement plus le standard. Je vais le faire là dessus au moins, si c'est moins large ça se verra moins, c'est moins grave. Donc on prend un peu plus large que le motif, vous allez voir ça de l'importance. Je pose mon plioir sur le bord du dessin d'un côté ou de l'autre et je colle. Et là je maintiens le petit morceau de scotch et je ne vais pas coller jusqu'au bout de mon papier, parce que si ça colle jusqu'au bout,
quand on va l'emmener, ça va arracher le bord et ça va pas marcher. Donc je laisse au moins 5-6 mm au bord et j'appuie bien. Je fais en sorte en fait que le scotch ne se voit plus. J'hésite pas à vraiment bien gratter parce que s'il y a un endroit qui est mal gratté, ça va faire un trou dans le motif et votre washi fera pas toute la longueur. Voilà, et à partir de là, je maintiens mon bord. Hop, je fais un petit coup sec pour bien l'embarquer et après je me mets contre et je tire. On voit que le papier n'est pas du tout déchiré, que l'encre est partie. Il y a juste une légère fibre de papier partie, mais c'est bien parce qu'il nous faut du blanc. Et on se retrouve avec un petit washi, comme ça. Alors, selon les papiers, il n'y a que le scotch qui vient. Là, le papier était un petit peu plus solide. Et du coup, on a des petites miettounes, là, comme ça, sur le bord. Mais bon, c'est pas grave. Il suffit juste de les couper ou de les laisser. Parce qu'en les ancrant, ça peut donner aussi un style super sympa. Mais si on nettoie un petit peu les bords, on se retrouve avec un washi qui est impeccable. Voilà, alors là, on a un effet vraiment brillant, translucide. Bon, je l'ai mal coupé, hein, mais je le ferai mieux si vraiment je m'en sers un jour. Hop, je vais le coller face à moi pour avoir tous mes trucs. Et puis là, on va essayer donc du coup avec celui qui est plus blanc. Je vais faire une couleur à peu près similaire. Je vais prendre le orange pour pouvoir bien comparer. Alors, un petit conseil aussi, un petit conseil aussi, quand vous tirez votre scotch, essayez de le tirer d'un coup sur la bonne longueur, parce que dès qu'on s'arrête, on a des bandes des fois, ça fait des bandes un peu blanches, et selon le papier ou selon où on le colle, ça peut rester apparent, et ben, ça fait pas beau. J'ai oublié de mettre mon plioir, il faut pas que je le replie ici. Hop. Là, il faut que ça reste toujours un petit boulin. Là, un petit coup sec parce que le début ça prend jamais et après hop sans s'arrêter et bon. Et voilà, et là on a cette petite chose là à nettoyer forcément. Mais bon, si on veut le nettoyer convenablement, c'est pas forcément sorcier. Alors, j'attrape ma plaque. Hop. Vu qu'on a du scotch de chaque côté, on le colle. Voilà. Et on coupe ça normalement, comme si on avait notre feuille de papier. Voilà. Pas obligé de respecter la dimension du scotch, on peut juste rester sur le motif. Hop. Et voilà comment c'est tout beau. Alors maintenant entre les deux, en fait c'est si on veut
un satiné ou un brillant. Mais au niveau du rendu pour les couleurs, bon, forcément, là, il y a un rouge et un orange, donc on ne voit pas si bien. Le test n'est pas non plus flagrant. Mais en tout cas, il y en a un qui brille et l'autre qui est satiné. Moi, comme je suis plus partisane du vintage, bah, je préfère le satiné, forcément. Enfin, forcément. Pas forcément, mais c'est vrai que je trouve que c'est ce qui se marie le mieux. Alors, voilà pour ce qui est du kit. Donc on va pas faire tous les modèles du kit, hein, parce que là on y passe la journée. Mais comme je vous l'ai présenté, vous l'aurez sur la boutique Etsy si vous le cherchez. Donc je sais plus combien, j'ai même pas compté combien il y avait de pages. 2, 3, 4, 5, il y a 6 pages. 6 pages et 2, 4, 6, 8, donc ça fait 60 washi différents. Le truc, c'est que je l'ai imprimé, donc c'est de l'impression en jet d'encre pour la plupart là que j'ai imprimé, et là je l'ai imprimé laser. Donc je vais faire un test aussi pour voir laquelle imprimante marche le mieux. Donc, on va essayer le thème couture là-haut. Je me mets juste au bord du liseré noir, le surplus je le couperai, merdouille, bon c'est bon, là j'évite, donc je travaille toujours de la même manière. Quand il y a du noir comme ça, c'est mieux parce que on voit bien quand on passe que le noir se révèle. Avec le scotch juste un peu collé, ça fait très blanchâtre. Et une fois qu'on fait ça, les couleurs sont beaucoup plus tranchantes. Alors, verdict, hein, parce que jusque maintenant, j'ai fait que des washi avec l'autre imprimante. Donc, un petit coup sec. Ouais, c'est pas si bien. Bon, on va éviter l'imprimante laser. Ou alors sur du papier pelure, mais il faudrait le laisser derrière. Et c'est pas le but recherché. Bon là je l'ai un peu fait rouler, c'est dommage. Attendez, je vais quand même le dérouler pour qu'on voit bien, mais je vais vous le remettre sur du blanc. Pas terrible. Les couleurs sont pas nettes, alors que quand on prend ça, voilà, c'est quand même autre chose. Donc évitez les imprimantes laser. Voilà. Là je le garde même pas. Hop. Bon, alors les essais imprimantes, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer toutes sortes de petites choses qu'on peut faire pour justement avoir de façon plus originale, on va dire. Alors moi, il y en a une que j'aime particulièrement, comme je vous le disais en début de vidéo. C'était celle avec la carte de France. Là, j'ai une carte de France dans les tons verts. Je vais le mettre comme ça. C'est un peu grand. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plus long que sur un A4. Forcément, bah, au bout de 30 cm, c'est terminé. Là, on peut avoir toute la longueur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre d'un coup hop, je me suis je m'aide avec les dents et puis je vais viser les petits numéros. On avance gentiment, voilà, on laisse
un rebord. Je vais mettre autre chose que le plioir parce qu'à chaque fois j'en ai besoin. Allez, c'est parti. Allez, verdict. Je me sens plus à l'aise dans l'autre sens. Pas que ça roule trop par contre. Voilà. Là, bon, c'est roulé, mais c'est pas grave. Je vais me débarrasser de cette carte qui me gêne. Alors, c'est bien parce qu'on a du plus long, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile à gérer. Mais alors, je vais me prendre une feuille blanche. Voilà. Là, on a un résultat génial. Mais pour autant, vous voyez qu'on voit la marque de la feuille en transparence. Ce qui fait que si on a, par exemple, quelque chose à motif, bah là, par exemple, on va avoir les lettrages en même temps. Alors, j'appelle ça masking tape, mais bon, ça ne colle pas. Je me sers après d'une colle, c'est important, pas blanche. Une colle transparente liquide. Je prends celle d'action, hein, je prends celle-là. Et quand je le colle sur un support, ça rend d'autant plus transparent. Pour vous montrer le côté translucide et comprendre un petit peu, je vais prendre un washi que j'ai fait comme ça. On va prendre du vieux livre. Et on va mettre la colle au dos. Donc une colle liquide. Transparente, j'insiste, on en met partout et surtout on l'étale bien au doigt ou au pinceau, mais vraiment il faut que ça s'incruste dans la fibre, il faut voir la couleur changer, vous voyez, c'est beaucoup plus révélé. Et une fois que c'est bien collé, on le pose sur notre support. Donc admettons que ce soit une page de junk, hein, c'est pas fait pour refaire un washi. Quoi qu'on pourrait le retransformer en washi et avoir cet effet superposé d'écriture et de motif. C'est aussi une idée que j'avais pas avant de faire la vidéo, mais qui m'arrive comme ça. Mais voyez, on a le motif en washi avec les écritures en dessous qui sont révélées. Donc soit quand on décore notre page pour avoir le truc du fond, soit on redécoupe ça. Et on a un beau washi, mais là on ne peut plus l'arracher, c'est fait à la colle. L'idéal c'est de le redécouper tout le long. Alors je vais le dégrossir, parce que du coup je vais le garder, il est trop beau. C'était pas prévu ça, j'aime bien les belles petites surprises comme ça. Alors... on a un super bel effet vintage. Il est beau celui-là, hein, il est encore plus joli qu'au départ. Voilà. Par contre là, quand on le posera sur quelque chose, on n'aura plus cet effet translucide vu qu'on a gardé le papier derrière. Mais on a quand même un beau galon. On va appeler ça galon. Bien simple. Alors quand on a des longs trucs comme ça, forcément c'est pas toujours facile. Moi je les colle sur des feuilles d'acétate en A4 pour la plupart parce qu'ils sont assez grands, mais quand c'est trop long comme ça parce que ça vient d'une carte ou d'un papier cadeau ou d'un support vraiment qu'on a la chance d'avoir trouvé
assez imposant, eh bien, il suffit de reprendre un rouleau de papier toilette, par exemple. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On le coupe à la bonne longueur. Enfin, à la bonne largeur, plus exactement. À peu près. Hein. Je le recoupe. Un petit peu de colle blanche. Ce que je suis en train de faire, ça pourra resservir. On prend un support, on vient l'enrouler autour. Hop, et on vient finir de le coller. Voilà, comme ça, j'ai une belle bague. Je vais prendre un petit bout de scotch légèrement moins large. Allez, je l'entoure. Pas fait pour être joli, hein, c'est juste fait pour être pratique. Puis on ne peut pas mettre non plus 107 ans à préparer ça, parce que si on en fait plusieurs, on s'en sort plus. Mais voilà. Voilà, là j'ai mon petit mandrin. Et maintenant il ne me reste plus qu'à placer ça. En plus j'ai mon petit morceau de scotch qui est resté. Ok, le bienvenu. Commencez bien droit. Et après, on l'entoure. Et le fait qu'il ne soit pas collant, bah c'est beaucoup plus facile à ranger. Ah, lâche. Alors, j'ai pas vraiment nettoyé les bords parce qu'il était relativement propre. Il y a des petits poils de rien du tout. Mais quand je vais passer à la distress, par exemple, sur les côtés, ça va lui donner un côté beaucoup plus vieilli. Donc, je le laisse. Voilà. Et puis là, j'ai un petit bout de scotch à la fin. Je ne vais pas trop en laisser parce que je ne veux pas non plus que ça colle trop. Mais en laisser un tout petit bout. Et voilà. C'est rangé. Et là, je fais un petit rebord pour l'attraper. Et voilà, un petit washi. Un masking tape. C'est une manie d'appeler ça des washi, alors que c'est une marque. Bon, alors ça, c'était une petite aparté pour ranger les longs. Mais on devait faire plusieurs essais. Donc, puisque je l'avais pris là, je l'ai sous la main, on va faire un essai avec du vieux livre. Vous allez voir qu'avec du vieux livre, ça marche d'enfer. C'est super beau. Moi, j'en mettrai partout. Voyez comment ça marche bien. Regardez comment c'est merveilleux. Puis alors ça c'est déjà nettoyé. À la limite on passe un peu ses mains comme ça sur les côtés, les petits poils se résorbent, c'est fini. Ça c'est ce qui marche vraiment le mieux. Donc après le vieux livre, on va rester dans ce qui est vieux. J'ai essayé aussi avec de la vieille revue. Alors celle-là, elle est imprimée dans les tons bleus. Alors ça m'a bien arrangé.
Je vais faire exactement le même genre sur un texte bleu. Mais on peut aussi prendre du motif. Là, je prends du texte parce que je ne prends pas le temps de bien chercher. Mais parfois, il y a aussi des motifs qui, une fois mis en bande, se révèlent différemment. Et c'est très, très beau. Je peux même le mettre un peu en biais. Ça pourrait être sympa. Toujours laisser un bout en l'air. Jamais au bord du papier, comme d'habitude. Dès l'instant où c'est du vieux papier, j'ai remarqué que ça marchait carrément mieux. Parce que j'ai essayé avec des vieux livres, avec des vieilles revues, et aussi du vieux papier cadeau. Et bien dans tous les cas, ça marche beaucoup mieux que tout ce qui est récent. Alors bien sûr, je vous parle de ce qui est récent et non glacé. Parce que dès l'instant où c'est glacé, voire plastifié, c'est même pas la peine. Ça marche pas bien du tout. Oh, c'est chouette ça. Il y a de belles pages là-dedans. J'aurais voulu essayer avec un motif, mais je veux pas non plus abîmer certaines images qui pourraient me servir. Alors, bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein. Je sais. Mais on va quand même essayer de... optimiser. Sympa ça. Sur un thème avec du bleu, il est absolument génial ce truc. Ah, j'avais déjà commencé, je m'en souviens plus. Ça va sûrement pas faire un effet de mer, mais on va avoir un effet de dégradé, comme ça, ça peut être joli. Et puis comme ça, on va voir si ça marche aussi bien sur les images que sur les textes. Pour moi, il n'y a pas de raison. Allez, je vais le prendre juste au bord, comme ça, je ne vais pas non plus sacrifier ma page. Pas complètement en tout cas. Là, les couleurs sont plus sombres, donc on voit mieux où on passe. Ça. Non, c'est vraiment chouette. Ça rend vraiment bien. Bon, donc ça c'était pour la revue vintage. On va quand même essayer sur une revue moderne qui est un petit peu plus brillante, mais pas plastifiée quand même. Elle est juste légèrement glacée, mais pas trop. Je vais prendre là. En avoir très long, mais bon, c'est plus un essai en même temps. Ça marche. Bon, faut pas hésiter à y aller un coup sec, parce que le début marche jamais très bien. Donc, si vous avez un motif de prévu, voyez pour commencer un peu avant. Parce que vous voyez, le début, ça embarque pas. Mais regardez, ça marche aussi. Hein. On peut avoir quelque chose de pas mal. Là, je l'avais fait. C'était simplement la chemise de la dame. Donc, il y avait des effets de
plis, de choses comme ça, on pourrait penser que ça ne marchait pas. Et finalement, eh ben, ça rendait pas mal. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Oui, je l'ai là. Ça a rendu comme ça. Bon, alors forcément, il y a des, on voit la couture, des petites choses, mais si on s'en sert par petites touches, eh ben, on a des morceaux très très intéressants. Donc, revue plus moderne. Quand on, comme on est dans les livres, tout ça, j'ai trouvé ça. C'est un bouquin de mathématiques. Ah, faites pas la grimace, c'est que des maths. alors, c'est très très vieux, donc du coup, le papier, il est vieux. Et j'ai trouvé ça, qui pourrait être sympa. C'est un effet de grille avec, avec des chiffres. Et j'avais envie de faire un washi avec cette graduation là. En fait, c'est l'imagination hein, qui nous arrête parce que tout est vraiment réalisable. Vous voyez, là, je veux commencer ici et ben je vais un peu plus loin. Comme ça, ça a le temps de commencer pour avoir ça vraiment impeccable. C'est génial. C'est absolument génial. On a un petit peu à ébavurer les bords. Mais ça, ça dépend du papier qu'on trouve. C'est un petit peu une histoire de chance aussi. Mais puis ça, ça enlève proprement. Vous voyez, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien eu d'imprimé. C'est assez, assez addictif comme truc. On a envie de tout essayer pour voir comment ça rend en bande. Alors là, j'ai trouvé une page de vieux cahier. Je reste dans le vieux parce que ça marche bien. Je vais prendre la petite ligne rose de la bordure de marge. Hop, je me colle pas trop près du bord. Là, quand on l'applique, le scotch disparaît complètement. On ne le voit même plus. Là. Tac. J'adore. Franchement, j'adore. Pour le peu qu'on recolle ça sur des pages de cahier, de vieux livres, c'est génial. J'ai trouvé aussi un vieux cours tout aussi vintage hein, qui en plus j'ai de la chance c'est que c'est écrit dans une écriture lisible mais bah, je vais prendre un bout de ça. Je vais prendre là où il y a le plus d'écriture. Non, pas au bord, pas au bord, pas au bord. Hop là. Même si on le met trop au bord, ça va embarquer et le début est fastidieux, ça déchire la feuille, c'est infernal. J'ai gardé ces pages-là en me disant, je ne sais pas si je pourrais m'en servir un jour. Ben, j'ai bien fait. Parce que ça, eh oui, eh ben, ça rend super chouette. Voilà, ouais, j'adore.
J'ai essayé aussi sur de la serviette. Alors sur de la serviette en papier, c'est un petit peu différent. Vous voyez, j'ai déjà essayé. Je l'ai déjà dédoublé, hein. J'ai enlevé les deux grosses épaisseurs. Donc il ne me reste que la fine pellicule imprimée. Je vais le mettre dans ce sens-là, ce sera plus long. Hop, et je colle mon scotch. Mais on ne pourra pas le peler comme on vient de le faire. Là, ça va rester collé. Mais on a quand même ce côté translucide. Donc là, on s'en fiche, hein, on colle tout. On évite que ça prenne trop d'un côté, sinon voilà, il y a des plis. Bon, là, je pense que je vais le résorber. Et si ça marche aussi bien que tout à l'heure, ça peut se déchirer. Donc, voilà, à peu près. Ah, là, ça ne veut pas. C'est pas tout à fait le même principe, mais puisqu'on y était, on continue. Voilà, ça donne ça. Et puis, je vais essayer de couper avec le cutter. Si la serviette se coupe mal, on peut enlever un centième de millimètre de scotch, comme ça, ça permet au cutter de mieux couper. Alors, j'ai fait ça avec une serviette assez basique, hein, un effet à carreaux, parce que je l'avais sorti de mon rôle de la vidéo d'avant, donc voilà, je m'en sers. Mais avec un effet fleuri, ça peut être encore plus sympa, je pense. Voilà, et là, on va le faire tout de suite. Je vais prendre une page de vieux livre que je vais coller en dessous pour refaire ce qu'on a fait tout à l'heure avec le papier cadeau. Je pense que ça va donner une autre dimension à mon washi, ça va être très 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 sympa. Je vais reprendre ça. Je vais le coller. Et je vais essayer de faire un peu et de remettre après à un bout en m'arrêtant. Je vais m'arrêter proprement à une écriture. Où sont mes ciseaux? Pas avoir de beige. Voilà. Et pour le début, on verra après comment ça a pris. Donc là, je mets de la colle juste sur la longueur qu'il me faut. Important, il faut que la colle soit vraiment tout partout pareil. Hop. On vient la mettre. Bien juste derrière et qu'on s'en aperçoive pas, ou peu, pas ça serait mieux. Et là, ah, j'ai un peu de colle partout. Je vais venir le mettre bien. Thank you.
D'abord, je vais nettoyer mon tapis en gros pour pouvoir être un peu moins embêtée. Et je vais continuer ma petite coupe. Et voilà. Et nous voilà avec un texte imprimé sur de l'écossais. Alors ça se voit un petit peu moins que l'autre, forcément, hein, le motif est assez sombre, donc il fallait s'y attendre. Mais le fait d'avoir des écritures sur toutes les parties beige, eh ben, je trouve que là, ça donne encore autre chose et pour un style assez masculin vintage, ça peut être très très sympa ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé que je voulais? Je voulais essayer le papier cadeau vintage. C'est celui que je vous ai montré avec l'écriture, vous voyez je l'avais fait là. Je vais en faire un dans la partie là, colorée différemment. Alors ça roule un peu, là il va falloir qu'on cède un petit peu en posant des choses. Hop. Alors je vais me mettre un peu plus haut parce que là il y a une impression qui ne me plaît pas. Je vais me mettre là. Oh, ça fait un pli. Mince. Trop tard. Ouais, ça prend tellement bien ça. À résorber plus ou moins mon pli. Ça va. Et là, quick. Oh, c'est beau. Alors voilà comment ça marche avec du vieux papier cadeau. Pas du tout brillant. Dans un papier un peu, c'est pas papier recyclé, mais ça fait penser à un papier plus comme on a, malheureusement. Vous voyez, on va essayer avec un autre papier plus, là c'est un papier actuel, il y a un côté plus glacé, même le bruit n'est pas le même. Là on est vraiment dans du vrai papier. Alors, puisqu'il est là, lui, on va le faire. Ça, on va comparer le transfert. Je suis partie. Ça va. C'est même pas du papier cadeau que j'ai acheté. J'ai récupéré ça quand j'ai reçu un cadeau justement. Et en général, moi, les papiers, quand ils m'inspirent, bah, je les garde. Ça fait partie du cadeau. Voilà, non, non, il faut bien tenir. Et là, du coup, j'ai... Vous voyez, ça se comporte quand même pas pareil. Hein. Alors, le début a eu du mal. Donc, il est très transparent. Et à la fin... C'est même plus pelé, c'est carrément... voilà, on a un, en fait, on a un effet de dégradé, là. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Si on met quelque chose d'écrit derrière, comme on vient de faire, il y a un moment, ça se voit plus, et ça fait un effet de dégradé, ça peut être utilisable, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherchais. Ça marche, mais... ou alors, est-ce que j'ai pas appuyé assez longtemps? Mais ça marche un peu moins bien, mais ça marche quand même. Mais bon, forcément, hein, ça brille un peu. Donc
À part là, c'est doré. Je vais voir si ça marche. Pas sûr. J'ai pas essayé ça. Hein. J'essaye avec vous. On verra bien. Il aurait fallu qu'il y ait un tamponnage, je suis persuadée que ça serait sympa. Parce qu'on a un côté un petit peu... On a le doré, mais on a toujours la transparence du scotch. Et ça peut éventuellement faire un effet de scotch vieilli. Oui, ça peut être sympa. Quand on fait des raccords sur des pages de junk avec un faux scotch un peu jauni par le temps, bon bah là, j'en ai. Vous voyez, ça n'a pas pris grand chose, juste un petit peu d'effet jauni. Je suis persuadée qu'avec la colle derrière et le côté translucide, ça peut marcher. Même avec celui-là, peut-être encore mieux. Allez, le truc qu'on y est. Mieux. Ah oui, là on a quelque chose de jauni. Je vais vous montrer sur du papier blanc. Ça va donner quelque chose de vieilli. Bon, c'est sympa. Ça roule, mais c'est sympa. Puisque je parlais de tamponnage, c'est les essais ultimes qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est du papier blanc d'imprimante hein, que j'avais passé avec différentes encres, un peu n'importe comment. Et puis, je voulais essayer avec des tamponnages. Alors, on va essayer avec des taches. Donc, je vais le faire là-dessus aussi, puisqu'on en parlait. Oh là ! Oh là là ! Et puis, il me faudrait des tampons qui soient un peu tout en longueur. Un peu comme cela. Ça, éventuellement. Je ne sais pas si mes chiffres sont pas trop larges. Pourquoi pas essayer ? Avec ça déjà. On va tamponner en noir. On va continuer sur celui qu'on vient d'utiliser. Je vais prendre cela.
déjà. Non, je ne vais pas les faire ensemble parce qu'ils vont être trop éloignés les uns des autres. On va les faire un par un. Hein. Par contre, on va peut-être devoir attendre que ça sèche parce que comme c'est glacé, je vais faire les tamponnages là-dessus, les tamponnages sur celui-là et après seulement on fera les essais. Même au niveau du tamponnage, on voit que c'est glacé. C'est pas parfait. Heureusement que ça va être fait pour être pelé parce que voilà pour celui-là, on va le laisser sécher. Et puis là, je vais le faire direct, je sais pas si ça se fait pas, je vais vous choquer un peu peut-être. Mais tant pis, je vais garder le côté un petit peu bien aligné puisqu'ils n'ont pas été enlevés. Pas si mal. Non, je vais essayer ce motif là. Je vais juste faire le bord. Ça sert à rien d'en faire plus puisque c'est la largeur de mon scotch. Je vais le faire sur celui-là. J'aurais pu mettre une petite mousse dessous. Je sais pas ce que ça va donner là. Allez, juste. Hein. Bon. Et puis. Bon, la vidéo, c'est quand même pas sur le tamponnage, hein, c'est sur mes masking tape. Hop, allez, on range tout ça. Je voulais faire des petites taches aussi, mais bon. Je peux peut-être
changer le style. C'est quoi ça? Wallpaper. Allez. Moi je dis c'est bien. Vu que c'est peut-être un petit peu verdâtre, on va en mettre là où c'est un peu en manque d'impression. Ça se voit quand même pas beaucoup. Hein. Non. Une bonne vieille vintage. Alors on prend une autre sorte là, par contre ça va se voir beaucoup. Ouais, on va mettre là. On va prendre ça. On va le mettre ici, ici et là. Comme on va passer de toute façon à travers, on l'aura pas complètement. Donc on peut user et abuser. Bon, maintenant il nous faut le verdict. Allez, on passe aux choses sérieuses. Il faut que je vise bien parce que les chiffres ils sont vraiment à la dimension du scotch. Hein. Ça va être. C'est du papier d'imprimante. On va voir si l'encre du dessous va prendre, si le tampon va venir aussi. Ouais. Avec un petit nettoyage sur les bords. Yes. Oh, ça, c'est... ça fait super. Et voilà ma beauté. Bon. Bon, on va essayer celui-ci pour l'ultime. Et puis bah on aura quasiment fait le tour. Ah oui, j'avais juste trouvé aussi, mais c'était dans les moments vintage, mais j'avais trouvé aussi des calendriers. C'est pas si vieux, hein, ça date de 2017. Et à l'intérieur, on a les horaires démarrés et le papier est bien. Et en prenant les petits chiffres des heures démarrées, vous allez voir. Bon, on finit ça. On va pas se disperser trop. Voilà. Alors je vais me mettre assez haut parce que je suis persuadée que je peux en faire un deuxième. Je suis partie un peu trop en biais pour faire une deuxième. Bon, c'est pas grave. Peut-être avec l'autre, celui-là. Ah, il est moins large. Au bord. Très beau, très joli. J'aime bien.
de toute façon, c'est exactement le même principe. Donc si celui-ci marche, celui-là aussi, c'est de l'encre tamponnée, c'est de l'encre toute mise avec de l'eau et tout ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allez, je fais celui qui est à côté, histoire d'en avoir un sous le coude en plus, parce que je les trouve jolis. Comme ça, on aura essayé sur ce papier-là avec l'autre type de scotch, parce que c'est vrai qu'on ne l'a quand même pas beaucoup essayé. C'est là qu'on voit ma préférence quand même. Et là devant moi j'ai plein de roudoudou collés. Allez, un de plus. Bon bah voilà, c'est super. On va faire celui-là. Et puis bah ça va être bien. C'est donc l'heure démarrer. On va le prendre juste au bord. Verdict magique. Ah ouais, non, c'est vraiment trop bien. Il y a quand même beaucoup de choses qui marchent, hein, c'est l'avantage. Dès l'instant où on ne prend pas trop glacé, on a de grandes chances que ça marche. Bon bah voilà. Bon, lui, est-ce qu'il va être sec? Parce que on ne l'a pas fait. Hop, c'est pas tout à fait sec. Quoique, je vais mettre mon scotch sans trop bouger. Une fois qu'il sera collé, bah, je pense qu'il sera sauvé. Hop là. Alors. J'insiste parce que quand on voit comment ça s'en va pas bien, plus l'encre, j'ai peur que ça s'en aille pas assez. Alors j'insiste. Allez. À chaque fois ça roule, c'est tellement fin. Oui, oui, et re oui. Alors, du papier blanc. Regardez. C'est vraiment chouette. En sachant qu'avec la colle, ça va être légèrement translucide. Très sympa. Bon. Là, c'est chouette tout ça. Je vais vous mettre mes préférés. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Le cahier. Celui qu'on a doublé avec le livre. Mettre un autre style. Le Vichy, la petite carte, on a aussi les vieilles revues,
les tamponnages. Sympa, hein? Oh, franchement, il y a de quoi s'amuser. J'avais même fait aussi, mais c'est pas assez large, on peut prendre une définition de dictionnaire. Un petit morceau aussi d'encyclopédie. Bon ben voilà mes beautés, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré des choses, que vous allez avoir envie éventuellement de le faire. Et si c'est le cas, ben dites-le moi avec des petits pouces, comme ça moi je vois si ça a plu ou pas. Ça me guide, ça me fait plaisir aussi. Et puis ça me permet d'être un petit peu mieux référencée sur YouTube, donc forcément ça me fait du bien. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche hein, pour être mis au courant de tout ce qui va venir, que ce soit des tutos techniques, des tutos junk album, pop-up et j'en passe. Et puis bah, en attendant toutes ces vidéos qui vont arriver et que j'ai dans la tête, et ben moi je vous dis à très bientôt.